Bon, allô? Chers téléspectateurs, bonsoir. La poétesse Natié Brié vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois. Donc, bon, merci nous, quoi. Voilà, bon, nous allons continuer avec un autre fait de société. Monsieur Verne, il nous reste combien de temps, s'il vous plaît? Nous avons un fait de société à faire. Alors, on va voir avec la régie. Comment? 15. D'accord. Bon, s'il vous plaît, monsieur Ben Moukacha, s'il vous plaît. Un fait de société. Voilà, restez là, ne partez pas. C'est un fait de société. Un fait de société concernant le Congo-Brazzaville. Hein, je vous donne le micro. Voilà, donc je commencerai par le général Firenze qui était le premier. Voilà. Et dites-nous, que pensez-vous de Mbata Mokolo qui s'est passé à Brazzaville en tant que Congolais de la diaspora? C'est quand même intéressant. Oui, Mbata Mokolo, personnellement, je vais dire à titre personnel, ce n'était pas une bonne solution parce que nous avons une grande histoire entre les deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. J'aurais préféré que ça se passe par la voie diplomatique. Voilà. Non, allez-y, oui, vous pouvez continuer à parler. Non, mais j'aurais préféré que ça se passe par la voie diplomatique, puisque nous avons vraiment une grande histoire avec le Congo démocratique. Nous avons la même histoire. Il y a des Bakongo là-bas, il y a des Bateke là-bas, donc j'aurais préféré que ça se passe par la voie diplomatique ou par le Mbata Mokolo, comme on l'a dit. Ça n'engage que moi. D'accord. Est-ce que vous étiez choqué ou qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images qui passaient tout le temps à la télé? Mais Nati, imaginez une fois que nous aussi nous sommes en Europe, imaginez-vous qu'on puisse nous faire subir un tel sort ici. Parce que lorsqu'on intervient comme ça, on expose aussi les Congolais qui sont aussi en République démocratique du Congo. Donc c'est pourquoi je parlais de la voie diplomatique. Bon, maintenant, les politiques savent ce qu'ils font. Bon, j'espère et je crois que ça va vite se régler et que les deux Congos vont continuer à s'entendre. Monsieur Ben Moukacha, la même question, que pensez-vous de Mbata Mokolo? Ouais, Nati, merci. Tu sais que ce Mbata Mokolo a failli me coûter la vie. Voilà que donc, tout le monde le sait, que moi j'ai failli me faire tuer par cet individu incontrôlé à cause de c'était en cause de représailles. Vous voyez, donc moi j'ai parlé de ça déjà plusieurs fois. Le problème c'est que aujourd'hui on se reconnaît, c'est nous, quand nous vivons ici en France, nous sommes le peuple, les deux Congos sont le peuple le plus proche. C'est-à-dire qu'on est mieux chez un Congolais de la RDC, comme un Congolais de la RDC est mieux chez un Congolais de Brazzaville. Nous sommes un seul peuple et donc on ne peut pas se permettre d'accepter ce qui s'est passé. Voilà, quel que soit, parce que moi, je reviens de Brazzaville et j'ai vu que vraiment il y avait une main d'œuvre qui était là, qui pourrait faire les choses. Tu sais, quand on est à côté d'un pays, d'un plus grand pays, il faut se dire aussi merci, parce que ce grand pays peut essayer d'apporter une valeur ajoutée. Mais nous ne pouvons pas
Voilà, nous sommes un seul peuple et personne, surtout moi je suis de la diaspora, j'ai pas aimé parce qu'il fallait expulser, oui, dans les normes, et puis ça se prépare quoi. On ne le fait pas, on ne peut pas expulser Manu Militari, plus de 400 bonhommes, 400 000 ou 200 000 personnes en quelques espaces de mois. Et voilà, donc ça a été, ça ne peut pas accepter, j'étais pas content. Et je trouvais que voilà, ça nous a créé, ça a fait une scission entre les deux pays. Là, actuellement, ici en France, on a du mal à fréquenter la communauté de la RDC et la RDC également. Donc voilà, donc on essaie de recoller le morceau. On recolle le morceau pour voir un peu si on peut s'attendre de nouveau. Heureusement que nous avons la sapologie. Heureusement que nous avons aussi la musique parce que la sapologie unit, hein, unit les peuples sapologues, donc comme la musique. Donc voilà, heureusement qu'il y a tout ça qui est entre nous, où on s'entend d'abord, vous voyez, c'est le seul peuple, c'est le même peuple, hein, ok, c'est le même peuple, et donc nous devons comprendre dorénavant que ça ne se passe pas comme ça, parce que c'était une honte de voir toutes ces images-là aux yeux du monde entier, ce genre de spectacle. Ouais. Mais voilà. Monsieur Ben Moukacha, vous avez dit que vous avez voulu, ça veut dire ça a voulu vous coûter la vie, et qu'est-ce que vous avez à voir dans tout ça, et pourquoi ces gens-là se sont pris à vous? Vous ne faites pas de la politique, vous faites dites-nous un peu. Moi, je me demande, est-ce que c'est à Paris ou c'est à Brazzaville qu'on a voulu vous faire voir? Moi, je me demande, bon, admettons que j'étais mort ce jour-là, et ça serait quoi des deux? C'est mort pour la République, vous êtes mort pour le Congo ou bien mort dommages collatéraux? Parce que là, voilà, c'est comme ça, c'était des représailles. Ils ont trouvé qu'il fallait, taper sur quelqu'un de connu, de très connu, et ils ont voulu le faire avec Ben Moukacha. J'ai failli mourir de peu. Et l'anecdote, c'est que ce jour-là, nous partions avec les Nokosona Miss... c'était quoi déjà? Miss Nationale. Congo. Miss Nationale. Et donc, et la gagnante, c'était une petite... Une Miss de la RDC. Kisangani. Ouais, Kisangani. C'est elle qui a gagné. Donc, vraiment, ce jour-là, il faut leur demander dans quel état j'étais. Je faisais de cauchemars quoi, sur place. Je criais tout seul parce que j'ai vu la mort vraiment fondée. C'est la honte, vraiment. Voilà. La honte. Donc, voilà. J'ai subi en ça. En France, en plus. Voilà, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Et dis-moi, voilà, donc, voilà, moi, je n'ai pas accepté que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe dans la dignité humaine. Mmh. Et puis, on ne renvoie pas des personnes en masse comme ça, quoi. Voilà. Voilà, donc, j'ai jamais été pour, quoi, pour cette affaire, parce qu'il fallait le faire proprement et dignement. Voilà, Nogosona, que pensez-vous? Ah, moi, le mot-là, déjà, le mot-là... Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je peux dire, c'est... enfin, qu'est-ce que je peux donner comme titre, l'imbécilité? Bon, parce que dans tout ça, moi, Nogosona, je suis victime déjà, parce que bon, j'ai des parents de deux côtés, du côté RDC et du côté RC, donc Congo, Brazza. Donc, bon, peut-être sur le fond, bon, s'il y avait des colonas qui volaient, qui tuaient les gens, donc il fallait procéder par une procédure au moins judiciaire. Donc, il fallait arrêter le Kuluna. Bon, là, bon, c'était... Mais sur la forme, la façon ils ont expulsé nos frères, vraiment... Bon, on voyait ça à la télé. Non, la façon... Moi, je parle de la forme. Que ça soit violé ou pas, mais de la forme, vraiment, c'était pas bien. Donc, il fallait faire cas par cas. Il fallait faire cas par cas parce qu'il y avait d'autres aussi, d'autres Congolais de RDC, bon, qui sont là depuis des années. Bon, ils étaient victimes d'autres choses, quoi. Vraiment, moi, ça m'avait... Voilà. Général Firenze, que pensez-vous de la politique de notre pays, le Congo-Brazzaville? Laquelle? La politique actuelle et tout ce qu'on vit.
tout ce qu'on voit, l'Embata Mokolo, ce qui se passe actuellement. Je pense que vous entendez et vous regardez aussi dans... Voilà. Oui, mais la politique actuelle, c'est la même qui est là, puisque quand je dis, depuis que je suis là, il n'y a que le PCT qui est au pouvoir. Donc, à part 5 ans où l'Issouba a régné pendant 5 ans, mais c'est toujours le PCT. Mais c'est ce que je ne cesse de dire. Hein. Le PCT a une mauvaise image. Il faut déjà qu'elle change son image. En changeant d'image, il faut insuffler un souffle nouveau. Il faut prendre les jeunes, il faut prendre les intellectuels qui sont là. C'est devenu un parti, comme je dis, hein, intitulé crime. Petit crime entre amis. Je vous donne un exemple concret. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu la fête nationale. Ça se passe à l'ambassade. Mais c'est une fête, au lieu que ce soit une fête nationale, c'est une fête du PCT. Voilà. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'unité nationale si tout le monde n'est pas appelé à fêter une fête comme la fête nationale? D'accord. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on arrive au terme de notre émission? Un message envoyé par rapport au thème qu'on vient de donner, Mbata ya Mokolo? Non. Je précise et je le redis que Mbata Mokolo, si on peut dire l'expression, c'est vraiment de la bêtise humaine. Hein. Bon, est-ce que c'est de la bêtise humaine? Je ne peux pas aussi dire parce que je ne connais pas le fond. Donc, il n'y a que la forme. Hein. La forme, elle est là, mais la forme n'est pas bonne. C'est ce que j'ai dit. Mettez-vous à la place. Si réellement, il y avait des femmes violées, mettez-vous aussi à la place. Si c'était des Congolaises de Brazzaville qui étaient volées au niveau de la République démocratique du Congo, nous serons tous écœurés. Donc, raisonnons, soyons diplomates, passons par la voie diplomate. Nous sommes un seul peuple avec la République démocratique du Congo. Monsieur Ben Moukacha, vous avez un mot à dire Voilà. Tout est dit, mais bon, le sapologue créateur est apolitique. Vous avez parlé de Mbata Mokolo. J'ai donné ce qu'il fallait donner parce que j'étais victime de cette situation. Voilà, donc, bon, les choses aujourd'hui, et ça commence à s'améliorer. J'étais à Brazzaville, il y a eu ce contact entre les deux présidents qui ont réouvert le dialogue, qui vont réouvrir les frontières. Ils viennent d'annuler le visa, donc ça reprend comme d'habitude. C'est une bonne nouvelle. Mais bon, voilà, nous allons tirer les leçons de cette situation, que demain, que ça se répète plus, que demain, ça soit dans une dignité. Donc voilà, les Kulunas sont les Kulunas, les citoyens sont des citoyens. Il faut bannir les Kulunas de Brazzaville et ne pas bannir tous les gens ou tous les citoyens de la RDC, non. Les Kulunas, non, chez nous, d'accord, mais bon, il y a d'autres citoyens qui sont là, qui sont des citoyens respectables, des femmes qui ont des maris congolais, des congolais de la RDC qui ont des femmes congolaises de Brazza. Ensemble, nous créons l'unité du Congo dans tout, là, le Grand Congo. Le Grand Congo qui a été toujours prôné par Lumumba, qui a été toujours prôné par tous nos grands dirigeants et même a été même prôné par Marien Gwabi et voilà donc par Youlou, donc c'est bon hein, donc Congo d'un tout là on voit Ngaliema, le roi Makoko, Dingakouvu, voilà la famille et, hein, c'est une même famille et donc le Congo, le Grand Congo, c'est une grande famille de Lumumbashi à Pointe-Noire, comme le disait Papa Wemba, quoi. Hein? Claude Menda, c'est bon. D'accord. Monsieur Nogosona, un mot avant de... Madame Jackie, est-ce qu'elle peut nous parler un petit mot? On arrive à la fin de l'émission. La patronne? Je ne sais pas si elle est là. Oui, elle arrive. Voilà, allez-y, monsieur Nogosona. Nogosona peut dire quoi? Après avoir fait de l'imbécilité, maintenant, bon, il commence à regretter. Donc, ce que moi, je peux que dire, dorénavant, il ne faut pas que ça commence, que ça se passe comme ça, quoi. D'accord. Vraiment, vous me prendre des choses, pas la forme, tu vois. D'accord. La forme, vraiment, de tout ce qui s'est passé là-bas, c'était pas bon. Ouais. Vraiment, elle peut prendre place. Comme, au 1900,
64 aussi, bon, les Congolais de Brazzaville ont été aussi expulsés par. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Mais c'est vraiment, je peux pas. Enfin, vraiment là, vraiment, moi, ça m'avait écœuré. D'accord, parce ok. Que je suis Congolais de deux côtés. Ouais. Donc, je peux prendre part de qui? De personne. D'accord. Donc, voilà quoi. C'est que, bon, mon dernier mot, c'est que je peux dire, bon, non, dorénavant, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Vaut mieux traiter des choses. D'une manière vraiment humaine. D'accord. Okay. Humaine. D'accord. Bon, donc. Que ce soit des Congolais de Kinshasa et puis de Brazzaville. Nous sommes tous des frères. Des frères. Voilà, et moi, le nous, fleuve, les voilà. Uns, les autres. Voilà, d'accord. Vraiment, bon, mon boulet Zalaté. Voilà, toi, là, bien. Comme il vient de dire, voilà. Ben Moukacha et le général d'accord. Annick Bertin. Voilà. Que la paix soit avec nous, les uns, les autres, des deux rives, Congo-Brazza et Congo-Kin. D'accord. Bon, merci. Très chers téléspectateurs, avant d'arriver à la fin de notre émission, nous sommes avec la patronne, Madame Jackie, elle n'est pas seule. Je ne sais pas si elle est avec des personnes qui vont aussi parler. Ah, d'accord. Bonjour, Madame, elle a le micro. Voilà, nous sommes... Non, monsieur, non, restez là, c'est en famille. Hein. Voilà. Voilà, bonjour, Madame Jackie. Bonjour, ma chérie. Voilà, bonjour, donc, c'est avec plaisir que vous nous recevez chez vous, dans votre restaurant à la Payotte. Dites-nous, aujourd'hui nous sommes avec des grands sapeurs. Il y a les sapologues, il y a tout. Et ils ont dit à ce jour que cet endroit, ça sera l'endroit des sapeurs. Que pensez-vous de cette idée que M. Ben Moukacha, le sapologue, vient de dire? Je suis vraiment très très flattée. Et je remercie beaucoup tous les sapeurs. Et je remercie M. Gamoujacha. Ben Moukacha. De sacrer la période comme le coin de tous les sapeurs de France. Et je suis très, très contente. Et ça m'a vraiment, ça me touche au cœur. Et je vous promets que je serai à tout moment, à tout cœur avec vous. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Vous n'êtes pas seul, vous êtes à monsieur, si vous voulez parler. Voilà, venez, s'il vous plaît. Vous avez, voilà. Voilà, bonjour, monsieur. Présentez-vous, vous pouvez vous asseoir. Avant de recevoir Madame Acedo, ce qu'il y a aussi à nous dire. Merci beaucoup. Merci vraiment que vous ayez choisi la Payotte pour cette petite émission. Je suis vraiment très, très content compte tenu de tout ce que j'ai entendu, surtout des sapeurs. Je n'avais pas... quand on parlait des sapeurs congolais, moi, je connaissais vraiment pas ce que c'était. Mais là, j'ai vraiment vu... En live. Les créateurs, monsieur le créateur de la SAP, la sapologue, j'ai par exemple appris aujourd'hui ce fameux mot sapologue que je ne connaissais pas et c'est vraiment pour moi quelque chose de... C'est la sapologie. Oui, il y a le sapologue et puis la sapologie. Voilà, ce sont des mots que je ne connaissais pas et que désormais je vais pouvoir les utiliser. Donc moi je suis parfaitement content. Et je suis très très content parce que notre sœur qui est la responsable de la Payotte est vraiment à l'origine de tout cela et ça me fait vraiment énormément plaisir. On aimerait savoir qui êtes-vous par rapport à Madame Jackie, s'il vous plaît. C'est la famille en général. Vous savez qu'on est des Africains et okay. Que chez nous les Africains, la famille est assez élargie et je ne veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Tout ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est la famille. Et la famille d'ailleurs africaine ne se limite pas que dans une petite contrée. Même les saplogues, même les monsieur les sapeurs sont désormais mes frères parce que même si je les rencontre quelque part aujourd'hui, je ne peux pas manquer de leur passer un petit bonjour très très amical et très très fraternel tout en leur demandant un petit conseil sur la méthode de la sap. Parce que moi-même, j'aimerais très bien être un jour de leur club des sapeurs. Voilà, veulent se rencontrer ici, donc ça sera une bonne occasion. Mais oui, parce que dans ma jeunesse, par exemple, j'ai vécu un peu à Douala. À l'époque, on parlait de Djobala. Je m'excuse de parler de cela. On parlait de Djobala. C'était un monsieur pour moi à l'époque. Je croyais que c'était un petit dieu. Parce que quand on le voyait avec sa petite sape, on se disait, mais comment ça se passait? Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de connaître les créateurs, ceux qui ont été à l'origine de ça. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Oui, madame Gertrude, vous avez un mot à rajouter avant qu'on arrive au terme de notre émission?
Oui, bonjour Nati, bonjour à tout le monde. Donc, tout le plaisir est le nôtre. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est l'union qui fait la force. Et si on ne s'entraide pas, qui viendra nous aider? Je pense que c'est ce qu'on avait omis de faire depuis des années. Donc, nous, si nous sommes ici aujourd'hui, Association Acedos, ici à La Payotte, c'est parce que nous voulons travailler main dans la main pour que chacun vive vraiment de ce qu'il sait faire. Et voilà. Donc, Madame la patronne, si vous voulez parler un mot de fin avant que je clôture l'émission, Madame Jackie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie tous et je me dis, bon, on est ensemble, quoi. Et ça sera toujours comme ça, tout le temps. Voilà, c'est votre maison. Essayez de faire ce que vous pouvez pour que ça aille en avant. Merci. D'accord. Ok, merci. Bon, très chers téléspectateurs. Nati, oui. Nous avons quelqu'un qui a refusé de parler. C'est un saxophoniste. C'est eux qui vont animer aussi le restaurant La Payotte. Il s'agit de M. Fefe Priso qui est là, qui n'a pas parlé. D'accord. Et Roger Combe. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de Black Steel à Paris, voilà. qui ont mis leur cuivre à Paris. Et ils seront là vraiment pour nous animer. Et c'est avec plaisir qu'ils vont manger avec nous. D'accord. Merci. Donc, très chers téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Mais je rajouterai que le monsieur a dit, c'est une petite émission. Non, c'est pas une petite émission. C'est une grande émission internationale. Donc, comme le monsieur ne connaît pas l'émission, je lui signale que c'est une grande émission internationale. Suivi aux États-Unis en direct à la télé, aux Caraïbes à la télé, en Afrique par satellite et en France c'est le web, donc c'est pas une petite émission. Alors la poétesse Nathalie Brouillet vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois de 18h à 20h sur Clin d'œil Télévision en direct de www.haitimediatele.com. Prochaine émission le 10 octobre 2014. Donc, on nous dira si ça sera ici. Donc, à vous tous, nous avons reçu le général Firenze et Annick Bertin, le crack. Nous avons reçu M. Ben Moukacha, le sapologue, et Nokosona et Kembe GPS, le promoteur. Madame Jackie, Madame Gertrude et tout le monde, la régie, je vous remercie. Au revoir, à bientôt, à nous revoir le 10 octobre. Bye bye, au revoir. Voilà, merci à tous, merci. Préparation de banquettes.